Hello, c'est moi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une story time spéciale fantôme. Donc pour tous ceux qui ne croient pas aux phénomènes paranormaux, je vous demanderai de quitter cette vidéo. Et pour tout le reste, écoutez, c'est parti, let's go. Donc avant de commencer cette vidéo, je vais mettre une musique d'ambiance pour vous mettre vraiment bien dans l'ambiance. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Et on va changer les couleurs de la vidéo. On va mettre des couleurs beaucoup plus froides pour rendre le truc bien film d'horreur. Et voilà, là c'est parti, on peut commencer la story time. J'ai parlé à un fantôme. Donc tout a commencé durant l'époque où je passais mon bac. Donc je demande à mon père de me déposer à la gare de ma ville pour arriver en avance au lycée. Et mon père me dit, bah écoute, prends les clés de la voiture, sors-la du garage et attends-moi dans la voiture. Donc moi je prends les clés de la voiture, je la sors du garage et j'attends mon père dans la voiture. Et là en fait, il y a une femme qui frappe au carreau. Donc je regarde, j'ouvre la porte. Et là, elle me regarde et elle me pose une question. Donc elle me dit, excusez-moi, je recherche telle rue, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc du coup, moi, la rue qu'elle me demandait, je la connaissais pas du tout. Donc je lui dis, bah, écoutez, madame, je suis vraiment désolé, je peux pas vous aider parce que cette rue-là, je la connais pas. Et pourtant, je connais beaucoup de rues dans ma ville. Et cette rue-là, c'est vraiment rien du tout. Et là, mon père, il arrive au même moment et lui pose exactement la même question. Et mon père ne connaissait pas cette rue, lui aussi, donc du coup il lui dit, bah, écoutez madame, je suis vraiment désolé, je ne connais pas cette rue, je ne peux pas vous aider. Donc mon père monte dans la voiture, et là elle nous repose une troisième fois la même question. Donc là mon père et moi on se regarde, on se dit, mais c'est quoi son problème? Et du coup mon père dit, écoutez, je viens de vous dire que je ne connaissais pas cette rue, donc je ne peux pas vous aider, désolé. Et là mon père fait une marche arrière, et je vous le jure, le temps qu'il fasse la marche arrière, la femme elle n'était plus là. Donc là, panique générale, on me dit, mais attends, elle est où la femme, elle est passée où? Mon père me regarde et me dit, elle est où cette femme? Et du coup, moi, je sors de la voiture, je regarde chez la voisine, parce que je me suis dit, peut-être qu'elle est partie chez la voisine. Et non, elle n'était pas chez la voisine. Et vous savez, en fait, il y avait mon garage, enfin, je vous montre le plan. Il y avait mon garage, la voiture, donc ma maison, la maison de ma voisine et la rue. Donc elle a pu aller forcément que chez ma voisine, parce que en ce laps de temps, c'était impossible qu'elle traverse la rue et qu'elle aille chez mes autres voisins, on l'aurait vu. Et là, en fait, elle n'était plus là, la femme. Du coup, je remonte à la voiture et en panique, je dis, papa, elle n'est pas chez la voisine. Et là, franchement, moi, grosse angoisse. Mon père, il commence à rester du courant. Donc, il démarre la voiture, il part. Et là, franchement, dans la voiture, on se parle même pas. Parce que genre, on était vraiment choqués tous les deux. Et il me dépose à la gare. Il me dit même pas bonne journée ou quoi, il me dépose à la gare, il s'en va. Et là je me dis, attends, mais c'est un cauchemar, c'est un rêve, c'est pas possible, la femme elle a disparu en deux secondes, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce truc, c'est un signe, peut-être que je vais pas avoir mon bac, peut-être qu'il va m'arriver quelque chose, peut-être qu'il va arriver quelque chose à un de mes proches. Là je me posais plein de questions, je commençais à psychoter et j'étais en mode flip. Je me dis, non, c'est pas possible. Et puis j'essayais de me dire, peut-être qu'on se fait des films dans nos têtes, peut-être que la femme elle est partie peut-être qu'elle est partie quelque part et qu'on l'a pas vue. Après je me suis dit, mais c'est pas possible, en une seconde c'est impossible de disparaître comme ça. Du coup j'appelle mon pote, du coup je lui explique la situation. Et lui il me croit pas du tout, il me dit, mais écoute, c'est dans ta tête, c'est n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, c'est le stress du bac et tout. Je lui dis, mais écoute, mon père aussi l'a vu, donc c'est pas possible, mon père il stresse pas pour le bac. Il me dit, non, c'est pas possible, moi j'y crois pas. Donc il ne me croyait pas, ce qui est normal. Donc du coup moi je raccroche le téléphone, je monte dans le train. Et franchement, j'étais vraiment pas bien durant cette journée. Donc la journée passe, je passe mes épreuves du bac, je rentre chez moi. Et là, mon père, je vais le voir, je lui dis, enfin, ce qu'on a vu ce matin, j'ai pas rêvé, c'est vraiment vrai, ça s'est vraiment passé. Et là, il me dit, bah oui, la femme elle a disparu, je peux pas t'en dire plus, je sais pas ce qui s'est passé. Et franchement, grosse angoisse, pendant une semaine, je pensais qu'à ça. J'essayais de trouver des explications à ce que j'avais vu. Je regarde sur internet pour voir s'il n'y a pas eu des cas similaires aux miens. Et là, bingo, je trouve des gens, des personnes qui eux aussi ont sur la route croisé des gens qui ont disparu. Comme ça. Ça m'a vraiment marqué en fait cette expérience. Maintenant,
Vous ne pouvez ne pas me croire, ça c'est, il n'y a pas de souci, c'est votre droit. Mais voilà, moi je suis sûr à 90% que j'ai vu un fantôme. Donc voilà. Donc j'espère que cette story time vous a plu. Elle était très courte, c'était une expérience un petit peu spéciale dans ma vie. Voilà. Donc c'est la seule fois où j'ai vu entre guillemets un fantôme parce que enfin, à l'heure actuelle, je peux pas vous dire à 100% que c'était un fantôme que j'ai vu. Mais voilà, je suis sûr à 90% comme je vous l'ai dit que j'ai vu un fantôme. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Hello c'est moi, à mettre un petit like et à la prochaine. Salut!